La duchesse de Sussex cesse donner pour mission d'aider les jeunes familles lors d'une pénurie de lait maternisé. Meghan Markle a été félicitée pour son geste caritatif secret pour aider les parents américains lors de sa visite au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine en juin. De mai à juillet, les États-Unis ont été durement touchés par une pénurie mondiale de préparation pour nourrissons, laissant les parents lutter pour nourrir leurs enfants. Cependant, Meghan était déterminée à aider après que son ami Tyler Perry l'ait contacté. Samedi soir, M. Perry a déclaré à un groupe de 800 invités réunis au Pacific Design Center de Los Angeles pour célébrer le gala annuel Baby de Baby, qui vise à collecter des fonds pour les enfants pauvres, la générosité de la duchesse. Il a parlé de la pénurie mondiale de préparation pour nourrissons et a déclaré avoir été approché par un employé demandant de l'aide. M. Perry a essayé de trouver plus de formules mais avait du mal, tout comme de nombreux magasins de l'autre côté de l'étang. Il a contacté Meghan pour lui demander si la situation était similaire au Royaume-Uni et a déclaré que la duchesse se rendait elle-même dans les magasins pour rechercher des préparations pour ceux qui en avaient besoin. Le duc et la duchesse de Sussex ont eux-mêmes deux jeunes enfants, Archie, 3 ans, arrivé en mai 2019 et Lilibet, née en juin 2021. Parlant de leurs habitudes alimentaires sur son podcast Archétype avec les invités Jamila Jamil et Shoray Akhdashlou. Meghan a révélé que ses enfants adorent les légumes, le podcasteur et acteur est connu pour suivre religieusement une alimentation saine, ayant fait l'éloge de Los Angeles comme le Saint Graal de l'alimentation santé sur son blog aujourd'hui disparu The Tig. Avant la naissance des Archie et Lilibet, l'ami maquilleur de Meghan, Daniel Martin, a déclaré à Gayle King, « Je suis sûr que le bébé va être élevé comme, définitivement propre et vert. Propre et vert pour le bébé. Elle adore cuisiner. Manger bio dès qu'elle le peut.